Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Far Cry 3. Donc on continue notre aventure. Alors, donc dans la vidéo précédente, on a ramené Oliver, hein, qui se trouve là-bas, qui doit fumer un truc pas très légal. Donc nous allons sortir de la grotte et voir ce que ça donne. Alors je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui, une petite mission ou des missions annexes, on va voir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. Et j'espère que ça vous plaira. Donc toujours nos petits chargements qui commencent à être bien bien longs, je trouve. Ça commence à être un peu pesant. Ça me rappelle un peu Skyrim où les chargements étaient longs et il fallait toujours attendre que ça passe. Willis, c'est vous? Jason, j'ai retrouvé la trace de votre copain Keith Ramsey. Il a été acheté par un des tueurs de Hoyt. Il traîne souvent au bar du bidonville. Buck. Alors il s'appelle Buck et ça rime avec fuck. Bon, on va aller faire ça. Alors, comme vous voyez, la carte n'est pas encore tout à fait dévoilée. Voilà, c'est parti. Non, c'est ce bouton-là. Pour tout ce qui est mission et tout, je sais pas. Donc soit je fais la plupart des missions principales en continu, ou soit je m'arrête à certains moments et ça vous fait une coupure dans les vidéos. Vu que c'est une aventure continue, moi j'aurais envie de continuer l'histoire et de la faire à fond en passant les autres quêtes, vraiment pour avoir que l'histoire. Mais je sais pas si ça intéresse vraiment tout le monde. De toute façon, je ferai comme j'ai envie au final puisque je ne sais pas encore. Hein. Mais pourquoi je peux pas courir? Voilà. On verra ça, tout ça. J'ai pas envie de me prendre la tête si c'est vraiment une vidéo où je me détends ou je fais ça pour le plaisir comme la plupart de mes vidéos. Hein. Mais c'est vrai que je ne sais pas encore trop comment vont se dérouler ces vidéos. Je vais les mettre et puis par rapport à si j'ai des commentaires qui me disent que ça c'est pas bien ou quoi, peut-être que je changerai ma façon de faire. On verra tout ça. Alors, on est parti. Si ça veut bien ouvrir. Voilà. Vous, Buck? Je croyais pas au Père Noël. Peut-être que je me trompais. Je viens pour mon ami Keith. Ah, désolé, ce nom ne me dit rien. Vous l'avez acheté à Hoyt. Ah, lui. Mais il a dit qu'il s'appelait... Tu es mort de rire. D'accord. On dirait que t'aimes pas rigoler. C'est sûrement Jason Brody. Écoutez, je veux juste Kiss. Jason. Il reste des gens civilisés ici. On fait du business, comme des bons petits capitalistes. J'ai quelque chose que tu veux, hein? C'est la marchandise, et t'as ce que je veux en échange. Alors ça, j'en doute. Oh, calme-toi. Un peu de sang-froid. Si je disparais, tu le reverras jamais. Trouve ça pour moi. Tiens, fameux couteau. Si tu y arrives, on sera quitte, je te le garantis. Et qui se part avec toi? Ramène-moi ce qui a été perdu. J'ai déjà vu ce couteau. Quoi? Un couteau? C'est pas juste un couteau, ça! C'est de l'art! Il y a plus d'histoire dans ce couteau qu'entre vos fesses, à qui c'est à toi? C'est le prix que je demande, ok? Et où est-ce qu'il est? Il y a un chasseur de trésors qui savait où le trouver. Mais va se la débarrasser de son bateau, de toutes ses infos sur un supposé trésor chinois et de son équipage. Tu sais ce qu'il a trouvé d'autre? Le couteau? Non, pas le foutu couteau. Mais où il se trouve? Tu veux retrouver Kiss? Alors va sur le bateau et trouve l'artefact avant qu'on le pique. Allez, disparaît, fous le camp. Alors. La sortie. Oula. La sortie, là je peux sortir. Non, je peux pas sortir. Ça c'est bizarre, c'est la porte de sortie pourtant. Voilà. Il y a quelques petits soucis avec les interactions. C'est pas encore trop dramatique. Le bateau est là. Alors, bon ben on va faire un. 700 mètres. Ça me paraît un peu loin quand même.
C'est dommage qu'il n'y ait pas de voiture ou de bateau dans les environs. On va faire une petite balade dans la forêt. Hein. Avec un peu de chance, je tomberai sur une voiture. 5 flèches. Tiens, j'aurais peut-être dû recharger avant, je sais plus si j'ai des armes. 30. Tiens, là, il y a une voiture, on va la prendre. C'est pas grave, on va la faire. On va la faire, on va la tenter comme ça, on va voir ce que ça donne. Bon, moi je ne suis plus à pied. Oula, c'est vrai qu'elle est pas très magnane cette voiture. Oula, je sais pas ce que. J'ai pas compris ce que c'était. Ça est bloqué? Bon, apparemment elle est bloquée. Bon, bah j'aurais pas fait. Qu'est-ce que j'ai pas compris ce qui s'est passé? Ah, d'accord. Ok, bon, bah c'est pas grave, tant pis. Il y a des fois on a de la chance et des fois on en a pas du tout. Et là, j'en ai pas eu. Bon, c'est pas. C'est pas pour autant que je vais m'arrêter. Tiens, y a quoi là? Il doit y avoir un feu ou un truc comme ça. On va essayer de pas se faire repérer non plus. Ce qui m'emmerde un peu, c'est qu'il ne me reste que 5 flèches. J'aurais bien voulu avoir plus de flèches pour. J'espère qu'ils vont pas remonter. Non, c'est bon, ça va. J'aurais bien aimé avoir plus de 5 flèches pour pouvoir les éliminer discrètement. Si c'est pas le cas, tant pis. Ça, là, il a l'air d'avoir des. Non, c'est des pierres. Bon, le bateau est là-bas. Y a pas un petit. Un petit truc qui me permette d'aller jusqu'à là-bas, là? Je vais devoir nager. Ouais. Donc. Le ciel est plutôt bien réussi quand même. C'est vrai que je sais pas, moi je joue sur Xbox, donc je peux pas dire des autres versions que je n'ai pas vues. Elle est pas trop mal hein, sur Xbox mine de rien. Et là je ne suis même pas en 1080 puisque j'enregistre en 720. Donc y a pas trop à se plaindre, je pense. Je vais regarder s'il n'y aurait pas un petit requin dans les environs. Non, ça n'a pas l'air d'être le cas. Oula, de l'autre côté. Alors par contre, là il a l'air d'avoir une très. Je me rappelle plus exactement comment j'avais fait ça. Si là, voilà, là il y a une échelle. Bon, on va voir ce que ça donne. Allez. Voilà. Bon, je vais y aller doucement. J'aime pas ce système de vue. La caméra peut aller dans tous les sens. Tiens, là il y a un sniper déjà. Alors déjà on va prendre ceci. Voilà, déjà. Ça s'est fait aussi. Je pense pas avoir déjà été repéré. Ce qu'il me faudrait, c'est l'arme qu'il a. Pour au moins récupérer des. Bon, c'est trop tard. Ok, j'ai compris. Où est-ce qu'il est l'autre? Ah, il... voilà. De toute façon, ça arrive, c'est pas grave, on va recommencer. C'est le genre de truc qui me prend vite la tête, si ça va se passer 3-4 fois pendant que j'enregistre, c'est pas le truc qui m'éclate le plus, quoi. J'aurais dû avancer en fait d'un côté, pour ne pas me faire prendre en tenaille. C'est pas grave, on va la refaire. Désolé pour ce petit moment de... Tiens, j'ai l'impression que les textures ont pas chargé. Ah voilà, c'est un peu mieux quand même.
Le problème, c'est que si je monte là, je risque de me faire voir. On va déjà prendre. Alors, je peux pas encore sélectionner d'armes. Ok. Qui sont. Ah si, je l'ai pas eu, je pensais l'avoir. Allez, 30 balles, je sais pas si ça va le faire, on verra bien. Oh merde. Ouh là là, il y a un gros là. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Oh, je l'ai eu. J'aurais pas cru l'avoir. Alors lui, on va vite faire le tour parce que lui, ils sont loin d'être gentils. Allez! Quand même! Le souci c'est que j'ai pas d'autre. J'ai pas le choix de prendre. Ah tiens là peut-être. 49. Faut vraiment que j'essaie d'éliminer les deux gros. Les deux gros machins. Tiens, il est passé de l'autre côté. On va vite y aller. C'est quoi comme arme ça? Non. Et c'est une blague. Voilà quand même. Alors où est-ce qu'il est le gros ballard? Mais où est-ce qu'il est? Voilà. Il y avait quoi comme arme par contre? De toute façon j'ai plus de flèches. Ah il m'en reste 3. Ah je sais pas si ça serait peut-être plus intéressant de prendre son arme. 80, ouais ça va faire. On va y aller à la bourrin. Tiens, y'a pas une entrée là? Ah de l'autre côté. Bon, je peux faire ça. Ouais c'est parti. Un petit chargement hein, pour pas changer. Sinon, l'avantage que vous aurez avec la vidéo, c'est que vous pourrez passer. On va rester là jusqu'à quand? Tiens, il y en a un, il y en a un autre. Merde! Il y a combien de pirates sur ce radio? On va soigner. Je préfère quand même maîtriser. Ah merde, une alarme. Ça s'appuie vraiment comme ça. Ils vont tous être sur les nerfs. Ah, oh, c'est violent quoi! Allez, lâche-le! Où est-ce qu'il est maintenant? Allez, on tranche! Ok, c'était pas terrible ça. Pas moyen d'arrêter les alarmes, non?
c'est pas grave, on va essayer de vite se dépêcher. Bien ce quoi, deux grenades. C'est un peu tendu comme truc. Ah là, parfait. Fantastique. Il doit en rester deux. Où est-ce qu'ils sont? Ah zut, je pensais que ça allait les avoir. J'arrive pas à voir ce qu'ils sont là. Voilà, un de moins. Voilà. Je pense que c'est bon. Oula. Tiens, ce que je vais faire c'est... On va taper des mines. Ah non, vite, vite, vite. Allez, mets la mine. Pourquoi il a pas placé la mine? Je comprends pas pourquoi il a pas placé la mine. Bon, il veut pas, je sais pas. Tiens, viens, viens me voir. Là, les mines sont placées, donc normalement il va péter. Pas l'air si bête que ça en plus. Je sais pas si un cocktail molotov. Allez viens, viens, rapproche-toi. Allez viens. Tant pis. Je te perdrai pas une autre fois. Tu t'en sortiras pas. Tu ne peux pas te lancer. Ça a pas... Et c'est une blague ou quoi? Ça c'est un gros foutage de gueule je trouve. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste plus grand chose hein. Il y a vraiment un gros ralentissement quand j'essaie d'utiliser les... Je sais pas si celui a fait quelque chose. Ah oh, merde, plus je me crame. Là j'ai vraiment du mal à le passer celui-là, je comprends pas pourquoi. Ah si, c'est bon. Bon, je suis désolé, ça a pris un peu plus de temps, vachement plus de temps que prévu. Bon, on en a ce qu'il faut. Je parie que l'emplacement du couteau est sur cet ordi. Je comprends pas pourquoi j'ai eu autant de mal à le passer, c'est pas grave. On essaiera de trouver. Cette boussole doit être importante. Elle mène peut-être au couteau. Brûle-toi, ordi de merde! Ah ouais, ça, ça pue. Faut se merdier! Ok, on va vite sortir de ce bateau. Et on s'arrêtera là parce que je pense que ça fait déjà une petite vingtaine de minutes. Et j'aime pas les vidéos trop longues. Alors c'est parti, vite. Allez, vite, 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 vite. J'espère que c'est bien là que ça se trouve. Voilà, c'est ça. Hey Jason, faut que tu sortes là. Je suis pas sûr que ce soit très efficace. Ça va peut-être lui faire une quelques secondes, pas plus. J'espère que j'ai trouvé la sortie assez vite. Là. Allez, maintiens. C'est vraiment pas le moment d'avoir un problème
Allez, vas-y. C'est le genre de scène qui me stresse un peu, je sais pas, pour ceux qui ont joué à... Allez. Je sais pas pour ceux qui ont joué à Medal of Honor, Soleil Levant. Ça me rappelle un peu cette scène quand on avait... quand on devait... Allez, voilà, vite, par là. Quand on devait sortir du bateau après l'attaque de Pearl Harbor. Un petit coup d'oxygène. Il y avait aussi un peu cette même scène où il fallait un peu courir dans les sens, dans tous les sens. Oh, c'est quoi ça? Par là. Ah, j'aime pas ça, j'aime pas me retrouver dans une situation où... Allez, vas-y. Prends-la! Ça me stresse, j'aime pas ça. J'aime bien prendre mon temps dans les jeux. Allez, vas-y, vas-y. Puis il y a le courant qui nous entraîne, pourquoi est-ce qu'il veut pas? Allez, voilà, c'est bon. Magnifique, magnifique explosion. Bon, normalement, il devrait se faire aspirer par le bateau, ça c'est pas mal. Quoique non, une fois dans... Ah bah, il y a même des requins et tout, parfait, extra. Je pense qu'on va s'arrêter ici, parce que ça fait déjà un petit bout de temps qu'on est ensemble. Et je vais voir où ça m'emmène, pardon. Et on va stopper là. Si le chargement veut bien se lancer. Allez. Voilà. Oh. Jason. Réveille-toi. Debout. T'es sans doute heureux dans ton petit monde de fleurs et d'amour. Mais il faut plus que tu dormes. Debout. Il était temps. Alors, tu l'as ou pas, mon cadeau? Il était pas sur le bateau. Oh, Jason. Kiss va vraiment être déçu, je pense. Aux dernières nouvelles, il était déjà pas au top. Pourquoi est-ce que vous me dites ça? Va savoir. Faut qu'on s'amuse, mon chou, ça te fera du bien. Et t'aurais pas trouvé une boussole. Excellent, je te félicite. Alors, selon les infos, il faut suivre la boussole. Heureusement que vous êtes là. Ouais, je sais. Alors, t'arriveras à te débrouiller tout seul? Kiss a besoin de moi. Ciao. Bon, ça c'est une bonne chose. C'est quand même assez bizarre cette boussole. Alors, voilà, je fais pause. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour la suite de notre aventure. Et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le petit j'aime et le petit commentaire. Salut tout le monde!